Ce qu'il y a de mieux pour ma fille, Annabelle, mariée au premier regard, prend une grande décision. Au printemps dernier, les téléspectateurs ont découvert Annabelle dans l'émission Mariée au premier regard, diffusée sur M6. Samedi 29 juillet, la jeune femme a annoncé sur Instagram avoir pris une grande décision. Annabelle et Fabrice avaient marqué les téléspectateurs lors de la 7e saison de Mariée au premier regard. Mais malgré leur compatibilité à 74%, le couple a fini par divorcer peu après l'émission. Une triste nouvelle qu'ils ont partagée sur leurs réseaux sociaux. C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous annonçons la fin de notre histoire. Nos chemins se séparent pour des raisons qui nous appartiennent, mais nous sommes heureux d'avoir participé à cette expérience humaine. Nous souhaitons préserver notre intimité et garder le meilleur, ont-ils écrit. Pour Annabelle, cette séparation a été compliquée à digérer. Dans cette épreuve, la formatrice en laboratoire a pu compter sur ses parents adoptifs qui l'ont beaucoup soutenue et ont été compréhensifs et respectueux, avait-elle confié sur Instagram. Jamais je n'aurais imaginé tout ça. Depuis son apparition dans Mariée au premier regard, Annabelle continue de partager son quotidien sur les réseaux sociaux. Samedi 29 juillet, la jeune femme a notamment expliqué sur Instagram avoir pris une grande décision. Elle a en effet annoncé avoir quitté la ville de Bram, où elle résidait, pour retourner dans sa ville natale, Toulouse. La prise de recul m'a tout simplement fait revenir à l'essentiel. Et, aujourd'hui, l'essentiel c'est de vivre l'instant présent, profiter, faire des projets, aller de l'avant et vouloir ce qu'il y a de mieux pour ma fille. Et justement, quoi de mieux que d'être proche et bien entouré de sa famille? On n'oubliera pas Bram, mais vraiment pas. 2 ans de souvenirs, de rencontres amicales, de partages et de découvertes, a-t-elle confié, avant de faire le bilan de son année mouvementée. En juillet 2022, il se passait tellement de choses, de chamboulements. Jamais je n'aurais imaginé tout ça. C'est aussi et surtout une année durant laquelle ma famille et mes amis ont toujours été là pour moi, d'autant plus en acceptant de m'accompagner dans cette aventure de malade. A-t-elle ajouté. Retour aux sources pour Annabelle.